Normalement, mon oncle a donné hier. Moro, classe même seconde, première. Notre oncle le second. Et j'ai quatre premières moyennes en nombre à décoparer. Et là, moi, j'ai terminal. Vide en euro, notre d'accord à l'eau. Et donc, là, moi, j'ai pas été pour nous. Mais avec madame Marot, nous l'ayons remarqué. Moyen de vie et ton gros, des voilà, après moyen de gros, le terminal en support, quand moyen de l'ombre, le second premier. Et ça m'a vraiment émerveillé. Une telle voix sur mon bouton, elle est prête à tout. Il a démené, il y a un coup, il y a un coup, il y a un coup, et on sait les décisions en même temps. Et m'a demandé, elle essaie de poser au bord. Non, elle est sous mon bouton, ni ma droite. Et elle avait midi. Bah, on a quoi là où madame le dit. Si quelqu'un est en train de dire mon enfant va à l'examen, moi je dis à il y a telle dame que moi j'ai rencontré comme ça, celle qui a gardé ma fille qui n'avait pas 8, elle a eu 15 au BPC et ça a étonné une coiffeuse. Et il y a les clientes qui sont là le jour là aussi, ils ont pris ses coordonnées. Ils ont commencé. Moi, je la félicite. Hein. Elle est comme un père de famille. Je ne vais pas dire une mère, un père de famille. Parce que de la manière dont elle a soutenu l'enfant, la veille, elle a appelé l'enfant au téléphone. Très tôt le matin, elle a prié à l'enfant. Elle a parlé comment elle va faire. Le lundi matin, encore très tôt. Le mardi, le mercredi, tous les trois jours-là, elle l'a pris comme un père, même si l'enfant n'a pas vu son papa à côté, elle a vu quelqu'un qui l'a soutenu quand même. Salut à vous chers parents, moi c'est Crépine Galaro Amosou de l'ONG Gameya. Je suis là pour vous parler de la formation que j'organise au profit de vous et de vos enfants. Et l'objectif c'est d'autonomiser vos enfants dans les études. Non seulement vous n'aurez plus à investir beaucoup de choses avant d'obtenir beaucoup de résultats, mais nous allons vous apprendre comment donner le goût et le désir des études à vos enfants. Et n'oubliez pas les méthodes pour une éducation bienveillante qui apporte la joie et l'harmonie dans les familles. Madame Gandaro a initié ce projet pas pour se remplir les poches, pas pour gagner davantage, mais pour aider. Après avoir pensé et réfléchi sur l'importance de la motivation intrinsèque, elle s'est dit qu'elle ne peut pas aider son pays si elle n'appliquait pas les résultats donc de ses recherches. C'est ce qui la motive. Je prie pour que Dieu bénisse vos efforts et que la fin de cette année, nous ayons de très bons résultats pour effacer nos peines et les sacrifices endurés. J'espère que vous avez déjà mis le paquet pour ce qu'il faut à l'école et je sais que pour ce qui concerne les résultats, de bons résultats, nous sommes là pour vous accompagner et la joie sera pour tous. Avec Gameya, tous les apprenants peuvent réussir, quel que soit leur niveau intellectuel.